Voilà, on est le 23 septembre. Voilà. Et en Russie, c'est très rare que... Voilà, donc d'ailleurs, je suis dans mon chalet, pas loin du bourg de Saint-Serge. Voilà, et en Russie, c'est très rare qu'il fasse aussi chaud. Donc dehors, il fait plus 20. Et ici, j'ai mis mon poêle, mon four. Donc voilà. Il y a du bois parce que à l'intérieur de la maison, il ne fait pas très chaud. Donc j'ai dû le mettre. Voilà, c'est comme ça dehors. C'est très très chaud et très beau parce que la maison est froide, mais la température dehors, il fait très chaud, plus 21. Là, je mets la main comme ça et je sens que l'air, il est différent. Voilà, je vais mettre mon short et on va voir comment c'est dehors. Voilà, donc, parce que pour ne pas faire le montage après, je n'arrête pas la vidéo. Désolé, un petit moment. Là, ici, c'est resté un peu comme à l'époque soviétique. C'est-à-dire, j'ai pas changé grand-chose. Voilà, et on va sortir. Voilà, on va faire une petite promenade. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, mais cette plante, elle a bien jauni depuis. Voilà, ici c'est comme ça. Ce matin, j'ai mis beaucoup de temps pour allumer mon four parce que du bois était assez humide. Ah bon Dieu, voilà, je suis dehors, on peut ici et on peut se bronzer tellement il fait chaud. Voilà. Ici c'est ma maison comme ça. Voilà. Et ici c'est mon terre. Plutôt ma terre ou mon terrain. J'allais dire mon terrain. Voilà. Voilà, ça c'est la porche. En fait, c'est l'entrée pour le chalet. Voilà, et c'est vraiment, c'est, je pense que c'est tous les 100 ans ou au mois du septembre dans la région moscovite, il fasse aussi chaud. Ici, ce sont les réserves du bois. Voilà, parce que ça, c'est très important quand il va faire bien plus froid que maintenant. Là, c'est très beau et c'est... Vous voyez, il y a plein de feuilles qui sont très belles. Voilà. Je vais essayer de me baigner. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être sans doute une expérience inédite. Voilà. Parce que vous voyez, les nuits sont courtes et l'eau met pas beaucoup de temps pour se chauffer.
Et donc, se baigner dans un lac russe, ça, c'est pas gagné.